Mercredi 10 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Plusieurs dizaines d'étudiants dans l'université de l'État avec diverses personnalités dans la société civile avec opposition manifestée journée mercredi 10 février 2021 dans la capitale haïtienne. Manifestation ça qui était gain pour objectif exiger départ président Jovenel Moïse d'après le craser suite à gaz lacrymogène force l'audio. Signataire accord politique opposition pour gestion transition RIPTIA qui regroupait diverses organisations politiques tant que Diopod et Tête Ensemble lancé un appel journée mercredi 10 février 2021 pour population continuer mobiliser pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir à cause selon eux-mêmes mandat chef l'État arrivé dans boutli depuis date 7 février passé. Unité Force Populaire Démocratique, Mouvement Organisation pour une Nouvelle Alternative et Mouvement Militant Contrôle Bloc félicité peuple haïtien Yodi qui pas décidé entrer dans violence tant que mot d'ordre opposition te mandé ça selon responsable organisation sociopolitique Sayo comportement population montrer maturité politique. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré, l'a expiré dans un mois. Merci, laissez-moi faire ça, manger ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Agenadon. En forme? En forme, oui. Papa là. Bien acheté 2-3 petits là ou qu'on baille? Avec 4 millibles de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous pouvez faire si pour l'avoir expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire que vous causez ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Mais quand t'as expiré. Mon cas une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibok côté, ou bien n'importe qui sale Unibok, juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. M'a fait ça kounia. De toute façon, bon, m'a pas aller sans bapé, bah yo. Fois ça, c'est au capé. Non, ouais, ouais, voilà ça, m'a dit. Bonsoir. Bonsoir. Unibok tout côté, tout côté, yeah. Unibok tout côté. Si c'est pour acheter fret, acheter pour tout boxeur. Je suis un motoboxeur tout partout dans tout pays. Plusieurs dizaines d'étudiants dans l'université de l'État avec diverses personnalités dans la société civile et opposition manifestés journée mercredi 10 février 2021 dans la capitale pour exiger départ président République la Jovenel Moïse. Il fait qu'on est mandat fini 7 février passé et puis contester ensemble mesi arbitraire. Yo dit chef l'État apprend yo qui selon yo même c'est une série dossier gros poignette. Une manifestation qui t'a pas écrasé sous laisser frapper entre la police et militants. Si a été accord politique opposition pour gestion transition RIPTIA qui regroupait diverses organisations politiques tant que Diopod et Tête Ensemble lancé un appel journée mercredi 10 février 2021 pour population continuer mobiliser pour forcer président Jovenel Moïse yo dit qu'il rivé dans fin mandat quitter pouvoir selon coordonnateur général Haïti en action Yuri La Tortue qui dressait un tableau sombre sur situation pays d'Haïti côté phénomène insécurité a pas épargné personne s'allier implication divers secteurs dans bataille pour mandé chef l'État quitter pouvoir dans occasion ancien sénateur Yuri La Tortue fait qu'on est opposition politique là pas paré pour y aller dans élection ak pouvoir en place là li dit qui illégal. Coordonnateur général Haïti en action Yuri La Tortue te dans micro Jean-Robert Saint-Fort ak Mackenson registre. Depuis avant 7 février situation grave et après 7 février côté président perdu toute légitimité li et mandat fini.
situation vient plus grave et dictature vient plus dure. Nous vivons une situation où un petit monde qui l'un sorti le matin pour aller à l'école, il dit maman la pour retourner. Pita, et pourtant, c'est kidnappé, yo kidnappé, c'est violé, yo violé, tifia, et c'est joindre, yo joindre quoi, sous un pile fatra. Nous vivons une situation côté le monde qui l'a caillou, qui a préparé manger pour petit monde sur l'école, pourtant de mourir, et puis son bal marron, c'est bandit l'État, qui a tiré dans la rue, et puis grand monde, et puis il mourit, alors qu'il a préparé manger pour petit monde. Nous vivons une situation côté que les parents viennent dépenser tout corps pour petit monde étudier. Il y a dans l'université, yo vini professeur, yo al nan l'école normale, tant que vous avez vu cette île, eh bien, bandit pas respecté, policier pas respecté, yo tiré en dans l'université, yo abandonné famille et pas de justice. Nous avons lancé un appel à magistrat, homme de loi, nous avons gardé ça, qui a passé la justice, je veux dire. Yo arrêté un juge dans la cour de cassation. Yo mettez trois juges à la retraite. Est-ce que, ex-président, ancien président, ça, tu as le droit de faire ça? Premièrement, comme ancien président, il n'a pas le droit de prendre aucun acte après 7 février. Mais même si son président qui a le mandat, il n'a pas le droit d'agir comme ça, comme juge. Depuis que CSPJ a été institué, même si tu reproches au juge que dans la politique, dossier, c'est pour faire ministre de justice là, saisi CSPJA et c'est CSPJA qui dit qu'il doit prendre sanction contre juge. Et je pense que ceci doit être clair pour la communauté nationale et internationale. Nous lançons appel à secteur religieux. L'Église catholique était campée, il était pour courage pour dire 7 février, la loi est une pour tous. Je défais le sénateur, dans mes jours d'elle, doit aller. Nous dit l'Église catholique continue à accompagner. Fidèles, chrétiens, pour que nous arrivions à concrétiser ça au 17 février. L'Église protestante, qui en première fois, c'est lui en premier qui t'a dit 7 février 2021. Lui renouvelé avant 7 février et nous comptons sur tout pasteur qui a continué à accompagner le peuple. Il a continué à accompagner l'opposition dans toute activité que nous allons faire, que tout à l'heure, il y a l'autre leader qui va venir dire. Nous avons lancé un appel à l'Église épiscopale que nous attendons. Nous connaissons que fidèles de l'Église épiscopale sont dans la rue. Mais nous disons que l'Église là, moi, pas de bouche, accompagner le peuple là, dans sa qui doit. Nous voyons que sous arrêté que vous retraité, vous mettez à la rue du juge, c'est le ça, il y a 18 millions de dollars à secteur privé. Et comme ça, vous êtes sans intérêt. Yo bayo, alors que comme ça, c'est pour agriculture, c'est pour paysans que nous. Et c'est peut-être ça que nous dit. Nous ne comprenons pas ce qui a passé. Nous avons dit secteur privé à ressaisir. Parce que à peuple là pour le mettre, tout le geste que le fait contre le peuple là, eh bien, il n'est pas bon. Il est encore temps. Nous-mêmes, nos oppositions, nous voulons l'élection. D'ailleurs, nous tous qu'on a l'élection. Puis il faut partir là, 95% de députés sénateurs sont partis sur le souci. Donc nous ne pas l'élection. Mais nous ne voulons pas l'élection. Nous allons avoir une élection au président qui va dire qu'il finit. Nous allons avoir un monde qui prend CEP pour faire élection, changer la constitution. Nous allons avoir un monde qui a la loi, mais nous voulons élection. Avec un gouvernement de transition qui va mettre tout pour la l'aise pour nous participer libre. Appel que nous lançons. Nous pensons que tout secteur, eh bien, il y a à faire un seul pour que nous respections la constitution, nous respections la date 7 février 2021, côté que pas aucun monde. Dilapider pour moi, pas qu'aucun monde qui a créé l'institution et peuple là, lui-même l'a pris devant et n'arrivé dans l'installation pour la transition. Sous Bopayo, porte-parole mouvement patriotique populaire Dessalinéen, Sergent Louis, ak membre OPL la Edgar Leblanc fils, fait qu'on ait mobilisation après poursuivre pour arriver capoter pouvoir en place là, yo di ki illégal, dans sens ça Sergent Louis ak Edgar Leblanc fils, fait qu'on ait transition c'est une nécessité pour arriver mettre bout dans système en place là. Sergent Louis ak Edgar Leblanc fils, te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Pendant qu'on a parlé de mobilisation, on a profité de l'occasion
pour nous dénoncer avec dernière rigueur, dernier sac, la police nationale. Sauf fait là pendant marche étudiant va fait là c'est un bagage aberrant, c'est un bagage choquant pour dénoncer. N'a profiter d'intervention ça pour nous manifester solidarité nous au niveau de l'opposition avec un poids lourd qui est en situation difficile face à régime terreur, régime terroriste là. On a parlé de poids lourd en prison comme ça, on a parlé de Ralph Richevry qui est dans une situation difficile. Alors, on m'a dit, peuple haïtien, et particulièrement, monde dans Port-au-Prince, monde dans plateau central, pour manifester solidarité avec le magistrat Richevry et tout notre citoyen, qui est dans une situation difficile. Et pendant que là, on parle avec monde dans sud, dans quatre mobilisations qui traversent au désert. Hier, quand on a manifesté, il y a eu des moyens pour dénoncer ce qui a passé dans le sud-là, et particulièrement dans la base, Bon Cimetière, qui sont une nouvelle base dans le sud, qui a bataillé, qui a fait résistance réelle, parler avec base, dans le niveau qu'on a eu de la présentation, base résistance Kabuto, qui m'a dit, une forme cité nommément, qui a parlé avec base CEMAC, dans la dynamique de mobilisation qui prend des engagements, qui y a des gens qui ont une situation difficile. Je dis à peuple haïtien, mobilisation n'a pas là, son mobilisation, toute couche intersociétaire. En d'autres termes, le corps social qui fait pour camper debout face avec un terroriste d'État qui a développé là. Et le chef, c'est M. Jovenel Moïse, qui, après 7 février, devient un simple citoyen. Tout ancien président, je dis à le président, courage, détermination, peuple haïtien, après 7 février 2021, 7 février qui sont dates symboliques, il est juste arrivé, le peuple a été manifesté ouvertement, désaccord total avec Jovenel Moïse qui m'a dit fini, le peuple a été de la caille d'Isaac. Ça que tu es plus belle là, même l'église catholique, protestante, qui est de l'heure, même si c'est difficile, il faut le faire des cérémonies religieuses. Mais 7 février, il était clair. Parce que pas de possibilité pour faire des cérémonies. Parce que il a kidnappé les prêtres, il a kidnappé les protestants, il a kidnappé les gens dans toute couche sociale. Alors, je dis, dans le moment où il est là, c'est tout haïtien. Quel que soit à partir de cette idéologie, quel que soit au social, vous faites pour camper debout d'un seul homme, d'une seule femme, pour nous arriver à stade, dans un moment qui va venir, président de transition, et que nous été cohérents, tout combat nous a mené, nous dit, après 7 février, yes, Jovenel Moïse va nous mener à installer au président. Il y a responsabilité pour nous gommer contre n'importe qui dictateur, contre n'importe qui terroriste, contre n'importe qui réactionnaire, n'importe qui opportuniste. Parce que nous n'avons pas de pays dirigeant. Son pays nous fait la dame, dans l'école la dame. Nous faisons tout ce qui est la dame. Et son pays nous remet, son pays spécial, Haïti. Quand ça va passer dans le monde avec le coronavirus, nous devons questionner de nous. Ça va passer dans le monde. Donc, son bel pays nous gagne, nous faisons pour gommer pour lui. Ma petite bébé, c'est notre titre clair. Après 7 février, peuple a président. Réaliser une marche en blanc. C'est avec manifestation. Montrer pour trouver la paix, mais la paix de respect constitution. La paix pour que tout secteur soit dans le monde. Et les avocats, association de médecins, association syndicale et politique, tout ensemble. La paix marcher avec le peuple dans la paix, dans la coopération pour faire respecter la constitution, pour que la démocratie racine le pays, pour que définitivement, nous ayons la paix et nous puissions fonctionner dans un pays qui a marché suivant la loi et régulièrement renouveler le personnel politique.
Haïti à travers des élections correctes, non contestables, et que l'international pas besoin de Sélic Gouvernement, mais les citoyens ont leur vote et l'administration électorale, là, la crédibilité, la impartialité, pas les résultats, que tout le monde accepte, ni ça qui a gagné, ni ça qui a perdu, pour continuer dans le pays normal. C'est une conférence qui inscrit une démarche. Marcher contre avec tout secteur de la vie nationale pour nous arriver dans une transition côté que par la conférence nationale dont les délibérations a imposé à tout le monde sans exception. Donc la conférence nationale souveraine pour une nouvelle orientation à pays, orientation sur le plan économique, pour nous sortir nos économies qui sont sur marché et vendre, acheter, mais faire dans mauvaises conditions côté que pauvreté a bien continué. Pour nous faire dans une nouvelle orientation sur le plan politique, une nouvelle orientation sur le plan culturel, sur le plan identitaire, de manière à ce que dans une constitution amendée aux nouvelles, pour que nous concilier la vraie direction que, ensemble, représentant le secteur de la vie nationale à travers la conférence, pour nous prendre l'autre départ et définitivement aller vers le progrès et vers la paix dans ce pays. Porte-parole secteur démocratique populaire, M. André Michel, fait connaître c'est celle pouvoir judiciaire qui a fonctionné régulièrement dans le pays depuis date 7 février passé. Il dit qu'il a marqué fin mandat chef l'État sous pouvoir. André Michel qui déclarait président Jovenel Moïse accroché lui à pouvoir pour lui pas répondre à la question de la justice sous différents crimes qui fait sous pouvoir là, lancé un appel en faveur libération prisonnier politique. M. André Michel, t'es dans le micro Jean-Robert Saint-Fort avec Mackinson Registre. Mes chers compatriotes, pays nous a traversé une situation exceptionnellement difficile. 7 février 1986, après 29 ans de combat, le vaillant peuple haïtien a renversé la dictature des Duvaliers. Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans et quelques jours. Et depuis le ça, c'est pour la première fois dans notre histoire, on se retrouve face à un président dont le mandat est arrivé à terme et qui refuse de quitter le pouvoir. Son situation exceptionnellement difficile et question fin mandat, Jovenel Moïse, là, ce n'est pas la parole de la société civile, ce n'est plus la parole de l'opposition, ce n'est plus la parole, la position de l'Église catholique, de l'Église protestante, ce n'est plus la parole des vaudoïsans, mais il y a le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui, dans une résolution en date du 6 février 2021, a constaté formellement la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat sur cette affaire. Il n'y a plus de discussion sur cette affaire. Ce n'est plus une question d'argumentation pour ou contre. C'est une question définitivement tranchée par le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi l'opposition exige la libération du juge Ibiguel d'Abouzil, la libération de tous les prisonniers politiques. Marie-Antoinette Gauthier, Marie-Louise Gauthier, Louis Buteau, Arnel Belizère, Kelly Babas, nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Et c'est là que la communauté internationale doit comprendre le comportement de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez accord inclusif, parler avec l'Union européenne, alors que vous avez un président dont le mandat est arrivé à terme, qui refuse de quitter le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire, vous voulez accord inclusif avec autant de prisonniers politiques. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous le redisons. La seule solution, étant donné que nous sommes une opposition républicaine, la seule solution, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation pour faire respecter la Constitution. C'est la mobilisation pour pouvoir installer le plus vite possible le juge Joseph Messène Jean-Louis, que nous avons choisi pour diriger cette transition. C'est la mobilisation
pour casser ce système d'exclusion mis en place dans ce pays depuis le 17 octobre 1806, date de l'assassinat de l'empereur. Mandat fini. Mandat fini. Il n'est pas président encore. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de rien. Je prends arrêté présidentiel et il va appel, ça je l'assume, c'est moi qui l'assume, il va appel 18 millions de dollars américains pour le faire zone franche. Mais définitivement, et les pauvres nègres dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien définitivement dans ce pays. Ce n'est pas normal. Alors, il faut continuer la mobilisation. Toujours dans le dossier politique, diverses organisations sociopolitiques proches pouvoir en place là, tant qu'Unité, Force Populaire Démocratique, Mouvement Organisation pour une nouvelle alternative, et Mouvement Militant Contrôle Bloc, levé voyou pour féliciter les Haïtiens, yo di ki pa décidé suivre mot d'ordre opposition politique là pour plonger pays à nan carreau, selon coordonnateur Unité Force Populaire Démocratique là, Jackson Etienne, ak secrétaire général Mouvement Organisation pour une nouvelle alternative là, Jules Jean Lebien, population montre li gen maturité lè li décidé pa entrer dans violence. Nan occasion Jackson Etienne ak Jules Jean Lebien lancé un appel en faveur organisation élection dans pays a, yo di ki c'est seule façon moun ka rive prend pouvoir nan démocratie. Jackson Etienne et Jules Jean Lebien, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. C'est pour nous féliciter le peuple haïtien qui ne répond pas avec appel, messieurs, dames, opposition, pour te aller dans des choukailles, pour te entrer dans la logique KOA, qui t'a prôné que ce pays, zippé pays, ou bien l'autre pays. Le peuple a montré la maturité, je dis, il a grandi. Parce que bagay yo a fait l'évangile longtemps yo wè ki résultat ki bay. Et bien jodi a yo di messieurs dans mon position yo logique pour faire des choukay là yo pa la dan logique pour empêcher malheureux malheureux à l'activité yo peuple a dit yo pa la dan logique pour question transition coup d'état peuple a dit yo pa la dan peuple a vrai nous dit messieurs dans mon position yo bagay n'a dit le matin. Peuple a dit, messieurs, dames, qui n'ont opposition, qui besoin de pouvoir, c'est une seule façon de jouer le pouvoir en Haïti. C'est une élection pour y aller. C'est ça que fait, peuple a dit, nous, pour nous venir dire comme ça, je dis à l'État, pour nous venir chita avec pouvoir. Non dialogue, pour nous jouer un accord politique, pour nous faire année 2021, une année élection, pour 2022, pour nous renouveler tout personnel politique, nous. Cette histoire monte complot et en bas à table installer président fantôme etc. Peuple a dit bagay ça yo banil. Nous espérons messieurs dames qui nous position attendez la raison depuis jodi a faux débat question mandat président Jovenel Finian on croit ça enterré depuis 7 février ça enterré qu'on est là nous cap vers année 2022 nous gain un an son un an dialogue yon un an référendum sur nouvelle constitution. Fin année pour nous gagner l'élection. Président Jovenel Moïse, faut pas oublier. Peuple a voyé un slogan, bah où, côté qu'elle dit où, nous victoire sans gloire, n'est pas victoire. Qui ça le dit pas là? Président, ou commencez à arrêter, continuez à arrêter. Ou commencez à marrer, continuez à marrer. Parce que, au terre intellectuel, crimio là, couleur cette tête là, là, et il y a toujours là. Ça veut dire que, président, si vous allez, couler cette tête, ça, vous quittez le vivant, dans le conseil peuple là. En vérité, comme en vérité, président Jovenel Moïse, c'est plus gros mal qu'on fait peuple là. Ça veut dire que c'est la fin, nous encourageons, président Jovenel Moïse, couler cette tête, ça, c'est lui-même qui m'allait peuple là. C'est eux-mêmes qui fait commande, c'est eux qui commande, c'est eux qui gagne gaz, c'est eux qui gagne toute bagaille, c'est eux-mêmes qui prend toute grosse décision. C'est eux-mêmes qui fait toute grosse kidnapping dans le pays. Je ne veux dire, comprends que tout, la main est grave volée. Président, on va compter ni mal. Ni femelle. Guillaume Bagay Mini, je te dis, toute machine vite tête doit fouiller par la police. Son seule machine qui pas doit fouiller, c'est celle machine président Jovenel Moïse, parce qu'elle parle pour le petit job li. Je ne dis pas, Dieu tait la police là. Nous dis bravo, nous dis contentement, félicitations, DG Léon Charles, bravo, qui est là, un bienfait n'a jamais perdu, surtout pour la population. Ah! Et bien fait, n'a jamais perdu.
Sous bon parle porte-parole mouvement militant contrôle bloc là, Jonas Civil, dénoncé mauvais conditions vie jeune femme et jeune garçon dans pays d'Haïti à cause crise politique pays a fait face depuis plusieurs années. Jonas Civil longe doit sous opposant politique pouvoir en place là, li dit qu'a détruit personnalité jeune dans pays a dans l'idée pour défendre intérêt politique yo. Dans sens ça, Jonas Civil invité population rete vigilant pour pas quitter moun servi ak yo pour intérêt personnel yo. Jonas Civil te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sonny Lemay. Quel que le soit façon depuis jeunesse la pas embrasser bataille politique pays la victime la monter une machine ça quand même. Première machine non son machine de sécurité. Machine de sécurité a une série de nèg qui ba tête yo relé le baron politique dans pays a. Là on dit baron finalement pas besoin de côté fantôme 509 ça a sorti. Li clair oui. Nèg relé tête yo baron politique dans pays a ba les jeunesse ça espace pour l'émerger. Et puis on programme trois machines pour gérer ça, gérer ça va caler gel pour ça. Nous dit président de la République la merci dès qu'il choisit craser moteur trois machines ça. Après président fin craser moteur trois machines ça, n'a demandé gérer ça pour nous mettre main ensemble pour nous freiner machine ça qui courir sur libre dans pays là pour nous bouler machine ça fini dans pays là. Yo monter tête yo jeune qui dans ghetto là, yo bali on vieux âme et puis fait tuyo. Ouais là on fait bataille ça. Yo pas tuyo dans première occasion, première machine balo là là. Yo ouais, yo pas tuyo à cause des gens vivent dans zone politiquement ou fait social ou. Yo pas tuyo. Yo pas programmer deuxième machine là pour. Deuxième machine là c'est machine d'exil là. Nous dit président merci en pile. Il écraser machine ça une fois pour tous. Machine d'exil là bon exil indirectement. Qui exil yo ba ou? Yo rend pays à invivable. Jeune n'a fini l'école. Il fait deux trois facultés, il n'a pas joué une route pour le passer. Les parents, ouais, c'est lui-même qui toujours a balpé à café après tout effort ça. Qui ça et parents fait? L'obligé font gâter. Il vend un petit intérêt de gain. S'il t'a tombé malade, il a couru sous lui. Il va au Chili, il va au Brésil. Là, il va au Brésil, c'est dans un jeu où il va. Son bataille, il va faire. Ou regrette, ou après tout effort, il va faire dans le pays où il doit servir le pays ou pas capable. Ou à dominer. Et si vous avez une famille, vous pouvez vous faire exil. Pendant que vous travaillez, qui est-ce que vous utilisez le Brésil? Ou à travailler pour que vous avez 2-3 000 dollars américains pour acheter un ticket, aller et tout pour avoir une famille. Son exil indirectement. Son étiquette chimène est fait. Vous collez sous génio. Vous essayez dans la première occasion qui est en sécurité ou pas qu'à tuer. Vous essayez pour avoir un exil ou pas prendre exil. Qui est-ce que vous faites? Vous mettez une étiquette chimène sous vous. Vous avez un gros driver, un gros bout de chauffeur. Qui se chauffeur n'est droit de l'homme, yo de tout national et international. Kounya la, voici, ou vin rive face à la vérité. Qui s'est privé? Droit de l'homme a plagé, discrédit sur vous. Société a lui-même a vin gado mal. Kounya vin pas ka marché. Se gado gado, la police a chargé pour arrêter ou, parce qu'on vin bandit. La police a chargé pour arrêter ou même ou pas vle prendre prison parce qu'on est son justice y a fort ou choisi caché. L'on caché kounya la, qui s'est privé? Ou dit moun ça, qui faut habiller ça, de vous jouer nous après manger. Parce que c'est deux fils caractères. Et même les ou chimère. Ensemble des tuiles ça. Nous avons André Michel qui c'est tout le système là. Bon, système non fini. Mais là, de parler de lui-même non. Nous avons Nenel Kassi qui c'est tout le système là. Il a dit que le serpent pour aller mourir, il est mauvais, monsieur. Regarde le miracle, monsieur. Qui font déclaration, l'idou, oh, et transition pas bon pour le pays, investissement pas venu, et même Yuri Ladoti, ça, monsieur, pendant le grand goût, lui a soif de pouvoir, qui prend la rue, qui a demandé même transition. Mais Yuri, fou, faut pas faire ça, non. Société a pris notre pour. L'obtendre, André Michel qui dit, quand pour Jovenel, le président, il a résumé ça ensemble. Mais Jovenel président, ou pas le président, mais littéralement président, ou à la bataille, ou à le coup d'état, ou échouer toujours. Mais c'est pas bah, jeunesse là, on chance. Nous voyons la population en vivre, nous craser le monde à tout artiste dans le pays. Artistes, ils vivent des petits carnavals, sous budget pour artistes. Mais c'est nous méchants, oui. Ouais, peuple, ça, nous, on a fait méchant, c'est ça. Le jour, le frappe pied la terre, des choux, ils ont demandé, et nous, ils ont déchouqué, oui. Éclair Info a continué pour nous dire, vice-président parti politique Ensemble Nous Fora, Joseph Frank Laporte, dresser un tableau sombre sur situation sociopolitique pays d'Haïti depuis plus passé 3 années, côté selon lui-même acteur politique yo entré non laissé frapper sans prendre en considération intérêt pays d'Haïti. Joseph Frank Laporte qui dénonçait persécution politique, violation droit monde pour nous citer ça seulement qu'a fait dans pays a plaider en faveur yon accord politique dans l'idée pour éviter pays a tomber dans chaos. Vice-président parti politique Ensemble Nous Fora, Joseph Frank Laporte, Ténamico Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemay. Ensemble Nous Fora va adresser à pouvoir politique là, parti qui est en opposition à la société civile là, dans sa globalité. Ensemble Nous Fora constate que depuis plus de 3 années, le pays
a des grandes volées dans les cadavres politiques sans retour. Côté, c'est kidnapping et insécurité généralisée qui a fait la vie. Corruption et contrebande dans l'État. Conflit et chirépite. Persécution politique et violation de la vie. Ensemble, nous faut constater, une autre fois, que le groupe Mounio, acteurs politiques, que chaque sous-bopayo, a regardé les droits dans un sens. Et là, fin de chirer, je dis, ce pays a été sacré. Nous avons profité de l'occasion là, pour nous rappeler que depuis la date 1er février, ensemble nous allons faire une offre politique côté de proposer en sortie de crise heureuse pour aider Haïti, pour éviter Haïti des chaos. Un chaos qui est capable, difficile d'un coup, guerre civile, un chaos capable, difficile d'un coup, de génocide, de occupation. C'est ce dernier bagaille qui a arrivé à Haïti, l'occupation. Jeudi, ça nous faut constater. Et de quoi ça tout que le pays a, c'est pour tout Haïtien. La profité pour demander pour tout Haïtien, particulièrement, après qu'on le tête ensemble, même si on pas d'accord avec la position gauche, on pas d'accord avec la position groupe qui a droite là. Mais je dis à nous une nécessité pour nous mettre ensemble, pour nous jouer encore à travers un dialogue franc, sincère, inclusif pour tout Haïtien. Pays, c'est pour tout Haïtien. Donc c'est pour tout le monde jouer ôter orgueil, une formule pour éviter des orgueils, des lémois, de tout égo pour nous garder Haïti devant nous. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la troisième édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Plusieurs dizaines d'étudiants dans l'université de l'État et diverses personnalités dans la société civile et l'opposition manifestée le mercredi 10 février 2021 dans la capitale haïtienne. La manifestation a été pour objectif exiger le départ président Jovenel Moïse d'après le crasé suite à gaz lacrymogène force l'audio. Lancé. Si un accord politique opposition pour gestion transition Riptia qui regroupait diverses organisations politiques, tant que Diopod et Tête Ensemble, lancé un appel journée mercredi 10 février 2021 pour population continuer mobiliser pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir à cause selon eux-mêmes mandat chef l'État arrivé dans Boutli depuis date 7 février passé. Unité Force Populaire Démocratique, Mouvement Organisation pour une Nouvelle Alternative et Mouvement Militant Contrôle Bloc félicité peuple haïtien Yodi qui pas décidé entrer dans violence tant que mot d'ordre opposition te mandé ça selon responsable organisation sociopolitique sa yo comportement population montré maturité politique li. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde.